Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Kevin et de Lucas. Donc je vous explique, aujourd'hui ces jeunes m'ont contacté parce qu'ils rencontrent un problème. C'est-à-dire que ce petit là que vous voyez, donc il a 12 ans et il se fait racketter à chaque fois par un mec qui habite à côté de chez lui. À chaque fois qu'il passe pour rentrer de l'école ou quoi, il se fait racketter. Il est venu avec son cousin. Son cousin, pourquoi il est là? Parce que justement il veut essayer de régler le problème avec le mec qui le rackette à chaque fois. Le mec qui te rackette, il a quel âge? Il a 18 ans, 20 ans? C'est bon, c'est un mec qui est beaucoup plus grand que lui, il a 20 ans, il en a 12, il a 8 ans d'écart, c'est énorme. Et même s'il avait que 18 ans, c'est énorme quand même, on s'en prend pas au petit. Donc on est avec Lucas, il va essayer de parler avec lui, nous on va tout filmer. C'est tous les jours qu'il raquette, c'est tout le temps? Quasiment tous les jours. Quasiment tous les jours. Et il te prend quoi? Il t'en avait parlé déjà? Et vous avez appelé la police, quelque chose? Non. Et toi, il te prend quoi, le téléphone? Il a essayé deux fois de me prendre le téléphone, la chaîne. D'accord. Et il te menace, il fait quoi? Tu dis à tes parents, à la police, tu verras, je vais mettre le feu chez toi. D'accord, ouais, donc c'est des vraies menaces, quoi. C'est... Et il habite à côté de chez toi? Il habite dans le même quartier que toi, quoi. Ok, bah écoutez, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire le trajet habituel. Aujourd'hui, ils avaient école, mais ils sont pas allés à l'école exprès pour tourner la vidéo. Et voilà, ils vont faire le trajet habituel pour voir s'ils tombent sur ce mec. En principe, il est toujours là parce qu'il les attend à chaque sortie. Lucas, il va essayer de le raisonner. Si ça marche pas, je le raisonnerai moi. Et j'ai une petite surprise pour lui si jamais il veut rien savoir. Donc, on va faire ça. On va se mettre en caméra cachée. Je vais vous mettre un micro, d'accord? Et vous allez faire le trajet habituel. Si jamais ça dérape, je suis là. Ok? Ok. On fait comme ça? C'est bon. Les gars, je vous souhaite un beau visionnage à tous et j'espère qu'on va l'attraper pour y faire une bonne sentence façon Kamoff. A de suite. Donc là les gars, on est à l'endroit, ben voilà, on est devant le racketteur, les petits l'ont confirmé, c'est bien lui. Et apparemment il attend ses proies, voilà, comme un lion dans la jungle, frère, il attend ses proies. Voilà, il est là, en plus il habite là le mec, hein. c'est fou de se dire ça. Donc on va attendre que Lucas et Kevin ils avancent et on va voir comment ça se passe. Je leur ai mis un micro pour voir un peu ce qu'ils se disaient et puis si ça part en couille, on interviendra. Voilà. Allez, à de suite. Bon les gars, il y a Lucas et Kevin qui arrivent. Je sais pas si on va les voir à la caméra. Ah, ils arrivent. Vas-y, recentre. On va voir ce qui se passe. C'est lui? Ouais. T'es chaud? Pas, je vois qu'il y a du grabuge là, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? Ça c'est vrai, il y a des problèmes à la gorge ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, toi, c'est des problèmes à la gorge. Tu passes quoi frérot? Je vois que tu sors des calibres. Non, pas de calibre, pas de calibre. Viens là, viens. 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 Vas-y, tu vas raqueter des petits là, c'est ça? Mais je vois que tu es en train de raqueter des petits, non? T'as quel âge? 25. 25 ans? 25 ans. T'as quel âge toi? 12 ans. Et toi? 16 ans. 16 ans et tu t'amuses à raqueter des petits comme ça? Dis rien leur téléphone s'il te plaît. Attends. Moi je t'explique, je vais te dire un truc. Tu vas me faire pointer avec une arme en plastique frérot. C'est du plastique? Vas-y baisse-moi ça. Allez, pas à moi, tu veux pas ça à moi, tu crois que... Eux ils gobent, moi je gobe pas, vas-y. Toi.
Frérot, j'ai manié des armes, j'ai des permis, j'ai un permis. C'est que ça, c'est du plastique, tu le sens, regarde. Plastique. Allez, vas-y, rends-leur leurs affaires. Parce que c'est moi qui vais te casser la bouche. Tu veux pas? Tu vas pas leur rendre leurs affaires? Vas-y, rends les affaires, maintenant. Parce que c'est moi qui vais te casser la bouche. Voilà. Elle est où, là, la chaîne? Allez, la chaîne, du petit, rends la chaîne, Allez, moi, Tu as voulu faire quoi, là? Tu voulais raqueter? Tu as voulu le raqueter? Tous les jours, que tu le raquettes, au petit, là? Non, c'est le petit, c'est le petit. C'était petit de. Quand je prends le collège, je le raquette. C'est horrible. Avec une façon en plus. Donc, tu raquettes les petits de ton nature. Ta merde, là, dedans. Ça. Tu fais quoi, là? Tu t'amuses à faire quoi, là? 25 ans? Trop du cul, tu veux pas trouver un travail au lieu de faire ça? Donc, dis-moi, toi, je vois que tu fais. Le voyant, mais t'as pas. Oui, non, mais c'est dans ton collège. Écoute, c'est pas pour jouer. Vraiment, ne t'amuse pas avec moi. Parce que moi, frérot. Je suis pas un voyou, mais je peux te mettre un coup de coude de suite là, tu vois. Si tu mets un coup de coude, ça part tout seul. Alors reste tranquille, j'ai pas envie d'aller. Si, j'ai pas envie que ça soit violent. Mais en fait, tu veux quoi? Donc je vais te poser une seule question, moi. Okay. Question simple. Est-ce que tu t'es déjà fait raqueter? C'est moi qui raquette, pas les autres. Ah, c'est toi qui raquette. D'accord. Arrêtez de rigoler. Les gars, vous pouvez venir s'il vous plaît? Comment ça, les gars? Bah, je t'ai dit, je vais voir si tu tiens le même discours qu'en présence de gens. Parce que tu vois, moi, je vais te mettre un coup de coude, j'ai pas envie de me salir les mains. Donc j'ai deux, trois collègues qui sont venus avec moi. Non, mais regarde, ils sont gentils, pas vrai? Vous êtes gentils, les gars, non? Oui, on est gentils, nous. Oui, Michou, t'es gentil, toi. Qu'est-ce que c'est? T'es un brave mec. Qu'est-ce que c'est? Trop gentil, Kevin. Tu vois, lui là-bas, mais pas trop cool, tu vois. Sur le côté, mettez-vous en bas. Viens, Kevin. Là, je t'explique. En principe, tu vois, je fais pas ça. Mais là, tu vois, ça me prend des petits de 15, 16 ans. Je pense que c'est pas trop cool. Donc en fait, je vous explique, les gars, ce que ce mec il fait. Attends, j'ai encore une personne en plus à appeler. Viens, viens. Attends, non, parce que tu es filmé, mon beau. Parce que tu es. Pose pas de questions, t'es filmé bah, depuis tout à l'heure. Eh ouais, tu crois quoi? C'est toi, ça va, c'est pas un truc pour la gorge, non. Ouais, t'as pris une colère, mais je veux une colère, laisse-moi parler maintenant. Parce que sinon. Tu vas plus pouvoir parler pendant les longues prochaines heures et les longues prochaines semaines si ça continue. D'accord. Donc, je vais t'expliquer. Les gars, je vous explique. En gros, lui, il raquette ce petit, 12 ans, et ce petit de 16 ans. Il a 25 ans, les gars. Quoi? 25 ans. 10 ans d'écart, tu d'accord? Pourquoi tu vas pas raqueter des petits mecs de 30 alors, ans, 25 ans, tu sais ce qu'il m'a dit, une espèce de petit malin. Tu sais ce qu'il m'a dit tout à l'heure, avant que vous arriviez, il m'a dit « Ouais, de toute façon, c'est moi qui raquette. Moi, personne ne me raquette à moi. » Donc tu sais quoi, aujourd'hui, je vais te... Au contraire, hein, et on va voir si tu restes un homme face à nous tous, comme toi tu fais. Tu vois, l'abus de pouvoir, le nombre, eh ben, aujourd'hui, on va faire le... Non, mais tu sais quoi, je vais même te dire mieux. Je vais même te dire mieux. Viens, venez les gars, venez tous les deux. Mettez-vous là. Écartez-vous un peu, les gars, qu'on le voit bien. Écartez-vous bien. Mettez-vous là, d'accord? Tu as vu tout ce qu'il t'a fait là? Ça fait combien de temps qu'il te fait ça? Ça fait un moment, ça fait longtemps. Ça dure. Eh ben aujourd'hui, c'est à toi de le faire. C'est toi, tu vas lui prendre ses affaires, d'accord? Tu vas lui demander gentiment. Et s'il veut pas, t'inquiète pas qu'il y a mes collègues autour. Mais il voudra, pas où tu voudras? Eh mon beau. Ouais. Écoute-moi. Tu as vu là, on a été gentil, on rigole parce que pour la caméra, YouTube, etc. Si tu continues, YouTubeur, mais écoute-moi, si tu continues à faire le voyou, on va te prendre à 4 et on va t'exploser la tête. Tu comprends? Mais... pas 4, on est 6. C'est bon, 6. D'accord? Ouais, 6. Et toi, 25 ans? 12 ans? C'est pareil. Sauf que nous, là, on te laisse une porte de sortie. Donc, Kevin, vous savez ce que vous allez faire? Kevin et Lucas, vous allez lui prendre ses affaires. Et s'il veut pas, ne vous inquiétez pas, il sera d'accord. Pareil, mon beau. Hein? Allez, je vous laisse faire, les gars. Nous, on va partir. On va parler un par un, au pire, pour faire un par un, non, allez-y à 4, les gars. Non, avec Shungon. Allez-y, les gars. Ouais. Allez, viens. Donc, les gars, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On est avec Kevin et Lucas.
Okay. Déjà, il vous embêtera plus. Je pense que vous avez compris. Les frérots se sont occupés de lui. Ils n'ont pas été très violents. D'après ce qu'ils m'ont dit, après, j'étais pas avec eux pour surveiller. Mais voilà, je pense qu'il recommencera plus. Donc les gars, on va remercier toute l'équipe parce que sans eux, on n'aurait peut-être pas agi de la même façon. Donc on remercie Kevin. C'est mon beau. Il a Instagram, son Insta s'affiche en bas, les gars. Merci à toi, Kevin. Heureusement qu'il est un peu... voilà. Il y a KZ aussi. Le frérot, il est venu en renfort. Je l'ai appelé, il vient de Aix, les gars. Donc rajoutez-le parce qu'il vient de loin, le frérot. Il n'était pas à côté et il n'est pas véhiculé. Donc merci à toi, mon frérot. T'inquiète. Bon, les deux, je ne vais pas mettre votre Insta. On va garder l'anonymat pour vous, pour ne pas vous faire emmerder à l'école. Michou, merci à ta carrure de rugbyman. Et toi, mon frérot? Ilyes. Merci à Ilyes. Je le connais pas, c'est KZ qui l'a ramené, c'est un collègue à KZ. Voilà. Le sac qu'on lui a pris. Donne-moi le sac, s'il te plaît. On va pas vous montrer ce qu'il y a dans le sac maintenant. Vous savez ce qu'on va faire? Vous allez nous rejoindre sur Instagram parce qu'il y a des belles petites pépites dedans. Rejoignez-nous sur Instagram. Je vais faire ma pub à moi. cam-off-officiel. On mettra tout le contenu du sac en story ou on fera peut-être une publication. Rajoutez-nous en masse. Et à l'heure où vous verrez cette vidéo, il y aura certainement la publication avec tout le contenant, la contenance de ce sac. Voilà, rendez-vous sur Instagram, cam-off-officiel. Rendez-vous à mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Je vous fais de grosses bises. Et si vous êtes victime un jour de raquettes ou de quoi que ce soit, parlez-en à la police ou à vos parents et ne vous laissez pas faire. Ok les gars, allez, à plus. Alligators, snakes that